Pour le plus grand bonheur des Clermontois, des chevaux biomois, Apache et Rosalie passent les vacances et tous les mercredis au quartier Fontaine du Bac, une initiative de Mélisande qui a conquis les gens de son quartier jusqu'à obtenir le soutien financier de la ville de Clermont par la seconde édition de son budget participatif. Le budget participatif, c'est ce qui nous a permis d'obtenir le paddock, donc ce qui nous permet d'avoir un abri pour les chevaux et justement pouvoir s'en occuper comme on fait maintenant. L'action, au tout départ, elle est venue de l'association Attel Auvergne. Après, il y a la maison de quartier Fontaine du Bac. On fait des balades en calèche ici. On fait aussi un peu de cheval contact. Suite au paddock, les chevaux sont venus dormir là. Et on s'est dit pourquoi pas faire participer les enfants, les adultes, enfin tous les habitants d'ailleurs, sur l'entretien du paddock, avec le ramassage de crottins, l'entretien des chevaux, les brosser, leur donner à manger. Et après, quand ils ont fini un peu le travail, on va dire, on peut leur donner une récompense en leur apprenant à mener un cheval. Les enfants se canalisent énormément près des animaux. Ça les calme, ça leur apprend le respect de l'animal, de l'adulte aussi, parce que du coup, ils sont obligés de nous respecter pour la sécurité. Les parents viennent avec leurs enfants partager des moments, qui est pour moi qui est très important parce que maintenant on voit plus les enfants seuls et les parents de leur côté. Là on permet de réunir la famille entière. On a beaucoup de papas qui viennent et ça c'est juste incroyable quoi.